Pourquoi tu ne veux pas respecter le couvre-feu? C'est le chat en vous. Ce n'est pas la sorcellerie, ça. Parce que moi, je la consomme. Hey! Donc tu consommes le chanvre? Je ne refuse pas que moi je la consomme pas, mais je la consomme. Le café, l'enfer chez mon frère, en tout. Hey! Ok, bonjour, salutations personnelles à toutes et à tous. Hey, de Bordeaux, qui t'a donné la parole? Cela ne faut pas venir gâter ma vidéo. Hein. Bonjour les abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du confinement. Ouais. Mais quand même, vous m'avez manqué. Hein. Une semaine, c'est quand même long. Surtout en cette période vraiment de confinement. C'est vraiment terrible. Je ne sais pas pour vous, mais nous, ça fait 2 semaines que nous sommes dans le confinement. Et I assure you that is very annoying. Parce que là, vraiment, l'ennui de ça. Mais c'est terrible. En tout cas, on y va. Le confinement. En tout cas, avant qu'on avance, faut qu'on se dise la vérité. Je suis que nombreux d'entre vous ne connaissez même pas le mot l'avant. Vrai, faut dire la vérité. En tout cas, bref, avec le coronavirus, l'innovation est au rendez-vous. Plus besoin des gestes barrières pour se protéger. Maintenant, on a un mode costume. Bravo! Un mode crocodinosaure. Mais d'un autre côté, le confinement est bien parce que ça permet de révéler et de rapprocher certains couples. Étant donné qu'en Chine, aujourd'hui, après la mise en quarantaine, le nombre de divorces a tellement explosé. Mais d'autres ont quand même réussi à trouver leurs talents. Confinement, Kansakar. Même le grand neuf s'est trouvé une nouvelle passion. Papa, c'est un champion. Oh là 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 là. Mais en tout cas, avec ces choses aussi, d'autres révèlent leur vraie nature. Ils sont chiches. L'histoire de confinement, si, ça aide quand même. Hein. Tu me dis quoi là? Histoire que tu ne pourrais pas manger chez toi bien là, celle-là. Mouf! Les faux amis sont déjà là. Ce n'est pas la sorcellerie ça. Fiche le camp. Mais encore mieux avec le confinement, c'est vraiment mieux de rester posé chez soi. Mr. Ronaldo. Moi, personnellement, dans la vidéo, là, c'est le ventre du pâté là qui me finit. Oh, oh. Il a un gros ventre, mon frère. Comprenez que le confinement est fait pour rester en famille. Ce n'est pas fait pour regarder les choses comme ça. La chance que mon petit est là. Non, this is my cousin. Ce n'est pas la sorcellerie, ça. Heureusement, c'est que le confinement n'est pas facile. Mais si après 10 jours de confinement, on a ça. If you see me, I get fever. Take me for hospital. Maybe not corona. Je sais que l'ennui peut tuer pendant le confinement, mais faites attention quand vous voulez vous détendre. Sinon, on peut se retrouver avec ça. Et surtout, respectons les règles du confinement. Ne sortons pas! Ne sortons pas! Sinon... Calzone. Quand on t'a... La pata comme yo, la pata! Le gars bouge là comme un poulet qu'on a en train de gorger. La pata! On dirait la girafe qui s'en mêle les pattes quoi. Faut voir la tête. Les filles là, pardon, pendant le confinement là, donnez vos vies à Jésus. Parce qu'après le confinement là, parce que là tonton Kwaku lui il est chaud. Si moi j'ai attrapé une go, la un fille. Hein? Ah, une fille. Elle va supporter. En tout cas moi je vous ai donné le conseil oh. L'une des choses que moi j'ai bien aimé pendant cette période de confinement, ce sont les challenges qui sont lancés à gauche et à droite. Par exemple, ce challenge. Mais surtout, quand vous voulez faire le challenge, faites vraiment attention! Parce que tu peux te ramasser ta gueule! Cette période de confinement a permis de démontrer encore que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont juste des personnes extraordinaires puisque Lionel Messi a fait un don de 1 million d'euros pour la lutte contre le et Cristiano Ronaldo lui a offert 2 unités de soins intensifs à l'hôpital de Lisbonne. Vous vous souvenez des Indiens qui avaient trouvé la solution pour faire partir le corona? Bon, les Sénégalais ont relevé les défis, regardez pour eux.
passera pas. Covid-19 ne passera pas ici. Coronavirus ne passera pas. C'est grave. Cette situation de corona a fait sortir des gros sorciers. Vous me regardez les pensées des gens. Bien, Doga, bonjour. Voilà. Comme tout à l'heure, ce que toi et moi on causait là, je vois que ton crédit est fini. Bon, je disais comme tu as il y a beaucoup de cas de coronavirus à Yaoundé. On parle de plus de 500 cas. Donc, essaie de te rapprocher du CHU sans pas voir les marchés de cercueil là-bas. Parce que ici à Douala, ne t'inquiète pas. Les gens vont beaucoup avoir ça. Les bensignons ne respectent pas les. J'étais au marché dernièrement. J'ai vu comment même les femmes faisaient le marché. Il n'y avait aucune protection, rien, rien. Ici à Douala, les gens blaguent beaucoup. Je suis choqué. Grave, c'est grave. En tout cas, ça a tellement énervé un pâté là qui n'a pas pu. Malgré qu'il ne connaissait pas utiliser WhatsApp, il a dit qu'il fallait qu'il réponde. C'est ici, hein. J'appuie. Oui, j'ai dit, hein, toi qui parles des cercueils là, tu as combien dans ta famille? Quand je te vois, tu n'es même pas un responsable, tu n'es qu'un diable. Vends toute ta famille, diable. Le père, calme-toi, calme-toi. Vends toute ta famille pour tes cercueils que tu parlais là. Tu vends tous ces cercueils. Voilà. Dans ta famille, mais tu n'as même pas 20 personnes dans ta famille. Si tu as vendu toute ta famille, le gros cul de ta mère. Non, 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 on ne dit pas les choses comme ça ici, on ne dit pas les choses comme ça ici. Tu es en train de souhaiter que les gens meurent pour vendre les cercueils? Tu es malade? Tu es malade au lieu de souhaiter que les gens doivent vivre et tu souhaites que les gens doivent mourir? Le gros cul de ta mère est ton gros cul. Les choses comme ça ici, bon, moi je t'enlève la parole, ça va. Ok. Pourquoi les Camerounais vous êtes dans la bûche? En tout cas, le confinement, Théma, c'est comme la mort, quoi. En réalité, voici ce qui se passe. Mais d'ici 10 ans, quand nous allons raconter cela à nos futurs enfants, d'ici 10 ans, 20 ans, ça sera comme si on était dans Resident Evil. Ça sera comme ça. Les enfants, nous, on a connu la période du coronavirus. Toutes les rues étaient vides. On a fait un mois sans manger. Un mois sans manger, papa. Oui, il y avait les gros virus qui déambulaient dans toutes les routes. C'est un peu comme nos parents quand ils nous racontent qu'ils marchaient les 52 km aller-retour. Really, nigga? En tout cas, je vais pas terminer cette vidéo sans parler des buzz de la semaine. Parce qu'il y a eu le buzz de Lady. Ok. Il y a eu le buzz de Lady. Merde. Il y a eu le buzz de Lady. Le pense. Le Waman, est-ce que tu peux parler de ça? Je sais que depuis deux jours, il y a la vie privée d'une star qui est en train de chauffer partout. Là. Moi, je ne parle pas de la vie privée des gens. Et donc, j'ai fait tout ça pour rien. Et le seul pas, s'il voulait me tuer. Moi, je ne parle pas de la vie privée des gens. Dis-nous même un peu. La vie privée des chanteuses, je ne parle pas. Ah, ok, bon, moi, je vais leur parler. Chez moi, tu parles, je te bloque. J'ai bloqué au moins plus d'une cinquantaine de gens. Mais c'est même sur ma page, mais si, ça. Je vous bloque, je bloque mes likes. Je n'ai rien à cirer. Donc, voilà. Bon, comme tu refuses alors de parler de Lady. Mon frère, je t'ai dit, j'ai compris, ça va. Tu n'apparais pas dans la vidéo. Ok. Bon, donne-nous alors l'autre sujet. Les Ivoiriens. Pourquoi les Ivoiriens? T'entends bien les Ivoiriens. Ah. Mes chers compatriotes. Ok, ado. Face à la progression de la pandémie dans notre pays, ah, j'ai décidé, premièrement, la fermeture de tous les maquis et restaurants. Ah, ça, ça va. Ça passe encore. Deuxièmement, l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin. Voilà la partie qui va vous fracasser. C'est là que les vraies choses commencent. Donc je disais. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien. Je suis juste allé changer les vêtements. Tais-toi là-bas. En tout cas, comme vous l'avez bien compris, dans certains pays, ce n'est pas encore le confinement. C'est encore à l'ordre du couvre-feu. Espérons que la situation ne s'empire pas. Mais dans cette situation, en Côte d'Ivoire, c'est spécial parce qu'à 21h, c'est FC Leke, communément appelé Matanga chez les Camerounais, contre Chelsea de sécurité, c'est la Champions League. Et ce qui fait qu'à 21h, c'est comme ça. 21h, c'est sauf qui peut. Parce que après.
comme vous l'avez vu, en Côte d'Ivoire, on ne parle plus de couvre-feu, on parle de couvrir de fouet. Oui, il y a une pyjama. Mais moi, je ne comprends pas comment on vous dit à 21h de ne plus sortir, vous sortez. Dis là, à 20h, il ne peut plus sortir. Attends, c'est pas 21h. Moi, je dis, même à 20h, que personne ne sort à cause de cette histoire. La chicotte fait son effet. Faut respecter le couvre-feu. C'est lequel à quelle heure? Danse. Couvre-feu, c'est lequel à quelle heure? C'est lequel? 21h. Alors, à quelle heure? 21h. Hey, quelle heure? Danse. 21h. À quelle heure? À quelle heure? À quelle heure on va danser? Ça me donne même une idée. C'est lequel à quelle heure? Danse. 21h. Alors, à quelle heure? Hey, danse. À quelle heure? Moi, ouais, j'étais un autre. Mais en tout cas, est-ce que vous savez qu'on a découvert Messi à Abidjan? Ja cap a la dreta per Xavi, assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, 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 i menys Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Ça fait rire, mais vraiment, arrêtons de désobéir aux lois. Une, t'es encore dehors. Cher pardon. Coup feu, tu n'as pas entendu ça? Je suis parti en prestation, moi je suis comédien. Ça c'est la plus pire excuse que j'ai entendue de toute ma life. Pardon, cher pardon. T'es comédien. Je vais te donner 20 000. Si tu veux monnayer. Joe, comment ça va frapper? Comment ça va frapper? T'es comédien, laisse 20 000 là même. Lève-toi. Comment ça danser, t'as chanté là? J'ai changé quoi? Faut danser Bachin qui défie. Frère Moulenge. Voilà, danse bien. danse. Joe, danse pas bien, frappe-le. Danse bien. Danse bien! Danse bien! Descends bien! Descends! Voilà! Vous avez vu le jeu de rang là? Danse bien! Danse bien! Descends bien! Descends! Voilà! Voilà! C'est bien, c'est bien! Bref! Il est arrivé à la maison! Vous avez bien entendu? Je parle du riz! Je parle du riz! Il est arrivé à la maison! Quand vous parlez, vous ne comprenez pas! Les mots sont parlés là! Les morts sont enragés. Ils ont envie de l'aller l'homme. Ils ont envie de l'aller. L'aller l'homme. Quand vous parlez, vous voulez pas écouter. Quand on vous dit qu'il faut bien choisir vos amis, vous pensez que c'est amusement. Bien tapé, bien tapé. Chef, bien tapé. On ne peut pas vous aller après. Il va commencer. On te demande de taper, toi tu caresses. La fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé le contenu. En tout cas, n'oubliez pas, coronavirus est dehors. Donc, lavez-vous les mains comme celui-ci. Regarde-moi l'autre là. Donc, si tu as aimé cette vidéo, je t'en prie, partage, abonne-toi, like, commente, s'il te plaît. Ingongwal Fwa Susomayo, faux sciencé, pardon. En tout cas, on est ensemble. Tata Valérie. Coucou. Donne le conseil de la fin. No comment outside. Coronavirus kill all people. No come out outside today, tomorrow, ni after tomorrow. En tout cas, vous avez compris. Abonne-toi.